magnifique Marie-Lou Wolfe, que vous connaissez comme comédienne dans Ramdam, mais qui est réalisatrice aussi à 16 heures. Oui. Donc, kiff-kiff, quelques émissions. Oui, j'ai fait quelques émissions de kiff-kiff dans la première saison. C'était une belle expérience. Je me suis débrouillée. Hey, c'est le fun quand même. C'est quelque chose. On commence tout de suite. Oui. On a plein de questions pour toi. Ah oui, OK. Les questions qui nous viennent du public, on t'a de voir. Là. Non, je joue pas, hein? On commence avec la première de Mia, 17 ans, de Montréal. Elle demande quel film québécois aurais-tu aimé réaliser et quel personnage de film ou d'émission de télé aurais-tu aimé jouer? Donc, quel film aurais-tu aimé réaliser? Québécois? Ouais. Ben, c'est drôle parce que c'est toujours gênant un peu, mais le film Crazy, c'est vraiment un super beau film. Mais comme je joue dedans, c'est toujours un peu gênant quand tu dis que t'aimes ça. C'est ça. Mais j'ai un petit rôle, fait que je me permets de dire que j'aurais aimé ça, réaliser ce film-là. Ouais. Puis un personnage, toujours difficile, ça. Hein? Un personnage en général que tu aimerais jouer d'action ou un drame? Mais tu sais, il y a des personnages dans les films, mettons, comme Charlize Theron qui avait joué Monster. OK, oui. Tu sais, c'est vraiment un personnage de composition, totale. Ah, je sais pas si j'y arriverais, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'attire. Deuxième question de Myriam, 18 ans, de Laval. Quelle est ta passion dans la vie, Marie-Lou? Quelle musique écoutes-tu? Est-ce que tu es amie avec Noémie Yel dans la vie de tous les jours? Trois questions. T'en fais les questions? Les questions, Myriam. Ma passion, c'est sûr que mon métier, c'est ma passion. Là. Ça a l'air kitsch à dire, là, mais c'est vraiment ça. Sinon, j'ai pas nécessairement de... J'ai une passion des voyages. J'aime ça être dépaysée. Tu vois, là, je repars là, dans un mois. Je m'en vais...